3, 2, 1. Il y a de l'écho, hein, vous avez entendu. Alors, ça va tout le monde? Bon, très bien. Alors, voici la deuxième présentation. Elle se veut un peu en finition, en continuité avec ce qu'on a entendu au début. Mais elle est plus près de nous cette fois. On est allé au début de la création. Maintenant, on est à la fin de la création, sans oublier le centre. Alors, on y va avec les tout derniers signes avant le grand take-off. Si on prend tout le monde ici est capable de déduire ce que take-off, ça veut dire, mais est-ce que... Pardon? Comment? L'enlèvement. Ah oui, l'enlèvement. Mais s'il y a des nouveaux aussi qui ne l'associent pas avec un phénomène qui est connu dans la Bible, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Quand vous allez en avion, à un moment donné, le pilote il dit aux filles qui sont... Comment on dit ça en anglais, ça, c'est les... Je comprends rien. Ah oui, mais ça, c'est en français, mais je parle français, moi. Ben, OK. And, assistant, please be seated for take-off. OK? Pour l'enlèvement. Pour qu'il ait l'enlèvement. C'est la même chose. C'est un peu humoristique quand j'ai fait ça. Moi, je ne fais pas de l'humour, mais je m'en fais là-dessus. Très bien. Alors, c'est les tout derniers signes. On va vous les montrer également. On continue. Ce signe représente ou l'enlèvement, avec les anges qui s'en viennent chercher les gens qui sont sauvés, ou encore se présente également Matthieu 25, le grand jugement. D'accord? Alors, quels que soient, les deux se suivent de cette année. Très bien. Là, il faut un préambule, il faut vraiment que je vous mette en situation. Parmi les multiples raisons et éléments qui viennent justifier l'authenticité de la Bible et de ses déclarations, se trouvent, au travers de cette dernière, les prophéties qui font appel à la préscience de Dieu qui vit hors du temps et peut annoncer en avance les événements qui viennent, auxquels nous sommes mieux de porter attention. D'accord? Est paralysé. Bon, voilà. Cette conférence a pour but de vous confirmer cette inestimable réalité en vous en faisant la démonstration et en vous avertissant de ce qui vient irrémédiablement sur notre monde. Et qui veut surtout vous soustraire de l'irréductible destin qui a déjà fait son entrée sur un monde distrait et insouciant par manque de... On trouve ça dans la Bible que le monde meurt faute de connaissance? Bon, alors, je ne mentionne pas, ils savent tout. Alors... La conférence est divisée en quatre thèmes. Le premier thème, c'est les mathématiques qui le prouvent. Les trois prochains thèmes, on parle des mathématiques. Si vous n'aimez pas les mathématiques, vous pouvez sortir tout de suite. Si vous n'étiez pas bon en mathématiques, je vais calculer pour vous. Très bien. Alors, l'Ancien Testament contient... à peu près 300 prophéties ayant référence au Messie, qui furent accomplies par Jésus. C'est pas n'importe quoi, là. Le monsieur Harold Herzier, bon, en français, ça va être... vous connaissez Harold, hein, Harold Herzier, de l'American Scientific Affiliation du collège Goshen. Goshen, c'est là où le peuple hébreu s'est réfugié en Égypte, d'accord? Il faisait noir partout, sauf à Goshen. Il s'était là. Ça, c'est un miracle, hein? Bien sûr, mais pour Dieu, faire un miracle, c'est comme moi vous parler. Pensez que c'est plus que ça? Ben voyons. Très bien.
Alors, selon Harold Hersier de l'American Scientific, dans sa préface du livre de Peter Stoner, Peter, c'est un mathématicien des statistiques, un parmi d'autres. La science moderne des probabilités démontre hors de tout doute que sur 8 prophéties seulement sur 61, celle-ci exclut les chances que ces réalisations prophétiques ne soient que des coïncidences. Est-ce que vous avez compris là, vraiment ce que ça veut dire? C'est impossible que ce soit une coïncidence. Oh, mais on ne se contentera pas de ça. Allons-y gaiement. Selon Harold Hersier, Stoner déclare que les chances que ces réalisations prophétiques ne soient que des coïncidences sont de l'ordre de 1. Il y en a qui connaissent les mathématiques quand même ici, là. Oui? Sont de l'ordre de 1 sur 10 à la puissance 17. Soit de 1 sur 1, mais ajouté 10, 17, 0. Alors, ils vont aller mieux que ça maintenant. Ces réalisations montrent bien l'inspiration divine de son auteur. Stoner, considérant 48 prophéties de ces 61 prophéties, déclare les chances qu'un seul homme puisse réaliser ces 48 prophéties sont de 1 sur 10 à la puissance 157. C'est 1 sur 1 multiplié par 157 zéros. Celui d'en haut est beaucoup plus petit, mais si vous me demandez de vous dire comment est-ce que c'est, là, ce n'est pas des triades, puis des trions, puis des gogons, je vais vous dire que je ne suis pas capable. Ils sont rares les mathématiciens qui ont un nom pour un tel nombre, n'est-ce pas? Alors, ils donnent plutôt des puissances, le nombre de puissances. 2 sur 10 à la puissance 23, par exemple, pour les étoiles, versus 1 sur 10 à la puissance 157, des chances que les prophéties réalisées ne soient qu'une coïncidence. Là, j'ai le livre ici qui explique toutes ces choses-là. C'est Josh McDowell. Ça a pris quelques années, hein, faire ce livre-là. C'est écrit petit en plus. Et puis, c'est très, très, très scientifique. Beaucoup de mathématiciens sont venus au Seigneur à cause de ce livre-là. Alors environ mettez les zéros selon un astronome. Bon, ce n'est pas parce qu'un astronome, c'est tous des grands mathématiciens, mais pour être un bon astronome, être connaître, puis aimer, puis être bon dans les mathématiques, c'est très nécessaire. Ça aide, si vous voulez. Alors, voici des prophéties avec lesquelles on lit chaque jour, mais on comprend, on ne sait pas que ces prophéties, à quelle place qu'ils se sont réalisées. Un exemple, dans Genèse 21, le verset 12, on parle du fils d'Isaac. Vous le verrez, il a été réalisé dans Matthieu 1, verset 2. Dans le psaume 72, 10, les cadeaux que les mages allaient amener, on est 125 à 130 ans avant Jésus, puis dans Matthieu 2, 1, puis Isaïe 60, on en parle des cadeaux que les mages allaient lui apporter. Ils ne sont pas venus encore, les mages, là. Ils vont arriver 650 ans plus tard. Alors, ça prenait un être qui ne vit pas dans le temps. D'accord? Le temps, c'est une dimension qui ne peut pas être séparée de l'espace. Et puis, puisqu'on peut, pour les comprendre, il faut qu'il y ait de la matière. Donc, l'énergie, le temps et l'espace ne peuvent pas être séparés. Pour aller d'un point A à un point B, ça vous prend, il y a un espace à faire. Pour le franchir, ça vous prend du temps. D'accord? Et puis, vous avez besoin de l'énergie pour l'y rendre. Alors, on ne peut pas séparer ces trois choses. Si on le fait, c'est pour fin d'étude. Je ne m'en sortirai pas. Dans Isaïe 40, le verset 3, Jésus serait précédé par un messager qui fut Jean-Baptiste. C'est Isaïe, là. Ça fait longtemps, ça. Ça fait plus que 650 ans, là. Eh bien, Matthieu 3, 3, puis Luc 1, 17 nous disent bien la réalisation qu'ils ont, que Jean-Baptiste a connue à l'époque.
que Zacharie, dans Zacharie 9:9, que Jésus ferait son entrée sur un ânon, il est marqué dans Luc là. En fait, c'est inutile de tout vous les dire, en voici des prophéties. Mais sur Jésus, des prophéties des majeures, dans la Bible, il y en a environ 300 prophéties majeures. Mais pour ce qui est des petites prophéties, pouvaient tripler, puis se sont réalisées. Si vous allez sur plein feu, vous verrez là, dans l'endroit qui s'appelle Odyssée, vous cliquez sur Odyssée et vous verrez, j'ai donné en 2015 une conférence où je démontrais 52 prophéties sur Israël seulement, à partir de 1948 seulement, qui se sont réalisées. Il y avait des Juifs qui étaient dans cette époque-là, puis ils avaient les yeux grands, puis ils ont applaudi, et ils ne finissaient pas d'applaudir. J'étais bien heureux de ça, hein? Alors, second thème, la démonstration prophétique. Écoutez bien celle-là. La Bible est remplie de messages cachés qu'il nous faut chercher pour comprendre et découvrir, comme par exemple le retour des Juifs et leur acceptation en Israël en tant que nation dans le monde. Ésaïe 66, le verset 8, nous dit « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Et on va voir que c'est vrai. On va donc voir que Dieu savait quand est-ce qu'Israël deviendrait une nation, puis qu'il serait accepté comme une nation dans le monde. Mais il va nous le donner d'une façon assez mystérieuse. Il faut le voir. Prévision mathématique divine du retour des Juifs en Israël. Premièrement, il faut partir avec ce concept, il faut connaître ceci. Il faut connaître que les Juifs ont travaillé, ont passé à travers le monde, ils ont été dispersés à trois étapes différentes, trois grandes dispersions, ou si vous aimez mieux, qu'on appelle des captivités. Ils ont été gardés captifs. La première, c'est dans Genèse 15-13, c'est où? En Égypte, d'accord? Et la deuxième, c'est dans Jérémie 25-11-12, c'est où? À Babylone! C'est babylonien. Et la troisième, dans le monde entier, Zacharie 7-4, en quelle année? Dans le monde entier? Comment? En l'an 70, voilà, après Jésus-Christ. Alors, on va revoir de toute façon. J'aime bien que vous y participiez. L'Éternel promet de rassembler son peuple. Ce que je n'ai pas le temps de vous dire ici, c'est qu'il y a autant de prophéties qui dit « Je vous enverrai parmi les nations que votre père n'a pas connues. Je vous distribuerai à travers le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient pas. Parce que c'est un peuple à la nuque raide. D'accord? Courraide, oui, c'est ça. Eh bien, il y a maintenant autant de prophéties qui dit qu'à la fin des temps, je vous rassemblerai. Quand vous voyez l'expression « la suite des temps », c'est comme si vous lisiez dans la fin des temps. Alors, un, il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les bannis d'Israël, il les recueillera, les dispersés de Juda, parce qu'Israël, à ce moment-là, le nord et le sud, Israël puis le Juda, la Judée, des quatre coins de la terre. C'est clair et net, les Juifs, depuis l'an 70, sont allés partout sur la planète. Il y en a même à Alma. Avez-vous vu? Il y a quelques années, j'ai reçu un document qui vient de l'hôpital juif de Montréal. Et puis, ce document assez étoffé. Puis, il me demandait d'aller passer une prise de sang, si je voulais. C'était libre, parce qu'ils étaient à la recherche des Juifs qui sont des Juifs qui ne le savent pas. Et puis, ils ont pris mon nom parce que je m'appelle Gilbert. Et si vous vous l'appelez Lambert, si vous vous appelez Hébert, ou Norbert, ou Bébert, ben sachez que la moitié de votre nom est juif, parce qu'il y a un juif dans l'Ancien Testament qui s'appelle Hébert.
D'accord? Vous le verrez dès le début de la Genèse. Alors, c'est à l'époque où Isabelle de Castille et Ferdinand I ont des problèmes, et puis là, ben, les pays d'Europe ont des problèmes aussi, puis les Juifs se promènent d'un pays à l'autre, ils veulent être acceptés, ils se font tuer en cours de route, puis ils étaient en Espagne, arrivent des problèmes en Espagne, et là, ils disent, ça doit être les Juifs qui nous causent ça, on va les mettre dehors. Alors, ils les mettent dehors, mais ils ne savent plus où aller, et il restait juste la France. Ils sont allés en France, et le roi de France les a acceptés, puis il leur a dit, je vais vous accepter à une seule condition, vous allez changer vos noms, vous allez donner des noms français. Alors, ça ne faisait pas tellement leur affaire, mais là, entre la barre puis changer le nom, on choisit de changer notre nom. Mais ils ont négocié, c'est des bons négociateurs, vous savez. Et puis, ils ont négocié de garder une syllabe dedans. Et cette syllabe, c'était le mot « bear ». Alors, tous les mots qui finissent par « bear », moi, c'est Gilbert. Il y a les Gilbert, les Lambert, j'avais une liste chez moi, mais là, ça ne sert à rien de toute la donner. Alors, nous aurions une racine juive. Est-ce que c'est une racine juive? Est-ce que ça a été prouvé? Non, je ne suis pas allé. Ben, c'est chené durant la guerre, moi, puis j'avais peur qu'Hitler soit au bout de la ligne là-bas. Bon. Hey, je suis un être sérieux, moi, s'il vous plaît, pas de rire. Hein? Mais on. Oh là là, 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 je vous le dis, je ne m'en sortirai pas. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites du pays du Nord, c'est la Russie, et de tous les pays où il les avait bannis. Je les ramènerai sur leur territoire que j'avais donné à leur père. Jérémie 16, 15. Donc, Dieu savait tout ce qu'ils allaient vivre. Puisqu'il dit, je les ramènerai, il ne l'a pas encore fait. Les temps de les ramener n'étaient pas faits. Il savait ce qu'ils allaient vivre. Il sait ce qu'on va vivre. Il connaît les efforts qu'on va faire, puis celles qu'on ne fera pas. Et puis, il ne faut pas se dire, bon, ça ne sert à rien, il le sait d'avance. Je vais faire partie de ceux qui n'en font pas. J'ai rien qu'à pas le faire. Alors, ce n'est pas ce qu'il veut. Si vous avez la motivation de la faire, c'est lui qui la met. Alors, soyons dignes avec le Seigneur et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si vous avez cette motivation, embarquez-vous. Les temps sont courts. Vous en aurez de la joie, vous en aurez de l'énergie. Le Seigneur va s'occuper de vous durant cette période-là. C'est ce qu'il veut. Le dernier, en bas, je vous retirerai d'entre les nations. C'est parce que je veux vous montrer qu'il le donne. Il donne ceci à des prophètes différents. Il a dit, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai sur votre territoire. Et ça, ça s'est fait quand? En 1948, le 14 mai. À peu près comme aujourd'hui, là. La première captivité, elle est en Égypte, elle durera 430 ans. Exode 12, 2. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortent de l'Égypte. Le jour même. Dieu a programmé des choses au jour. C'est ça qui est étonnant, en plus de la prophétie. La deuxième captivité, c'est la captivité babylonienne, 70 ans. Vous verrez beaucoup des chiffres 7 dans la Bible et dans les dates. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre de Jésus-Christ. D'accord? Nous, ici, on fonctionne en Amérique du Nord avec des décennies, le chiffre 10. Eux, c'était avec le chiffre 7. Bon, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. On sait que Nabuchodonosor a descendu vers le pays d'Israël, puis a renversé la ville de Jérusalem et les villes qui étaient là, puis a amené l'élite avec lui. Puis a amené Daniel, puis ses trois compagnons, évidemment. Et puis, on verra le reste en cours de route. Vous le verrez, je vous en ai parlé au préalable.
c'est que si vous allez sur plein feu, vous verrez Daniel 2, 7 et 9, et les détails sont dedans. Le diable a essayé de pénétrer ces détails-là, puis on ne l'a pas laissé pénétrer, même s'il y a bien des détails. C'est ça, Lise? Très bien. On continue. La deuxième captivité, Israël est conquis en 606 avant Jésus-Christ, et sa captivité se termine en 536 avant Jésus-Christ, au mois de Nissan, qui correspond au mois de mars, au début d'avril, avec la permission du roi qui était le roi des Perses. Le roi d'aujourd'hui, la Perse aujourd'hui, c'est l'Iran. D'accord? Le mot a été changé par les Français en 1934. Ça s'appelait la Perse, puis ils l'ont mis pour, mais ça s'appelle maintenant l'Iran, de retourner dans leur pays. Référence, vous le verrez dans Esdras 1:3. Captivité babylonienne de 70 ans. La troisième maintenant. Dieu donne un signe à Ézéchiel sur le temps qui a laissé s'écouler jusqu'au rétablissement d'Israël. Dieu va lui donner un signe. Il faudra que vous reteniez un peu ce signe, d'accord? Parce que c'est très important. Alors il lui dira, prends une poêle et de fer et mets-la contre un mur, comme un mur de fer, entre toi et la ville. Donc il se couche sur le côté puis il fait un mur de fer entre lui et la ville. Dirige ta face contre elle. Contre quoi elle? La ville, OK? Et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Ensuite, couche-toi sur le côté gauche. Mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi de le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'imposerai un jour pour chaque année. La loi, la règle, un jour pour chaque année que le peuple sera puni. On continue, on est toujours dans le numéro 2 là. Le B, chaque jour équivaut à une année biblique. Une année biblique, 360 pour l'Israël, parce que le calendrier est un calendrier lunaire. Et nous avons un calendrier solaire, et ça correspond à 365 jours, point 24. C'est précis. C'est moi qui ai calculé. Alors, prenez une note que ce 430 ans est compris de la période débutant après la captivité égyptienne. On commence à compter après la captivité égyptienne, puis ça inclut la captivité babylonienne. La pénalité totale est donc de 390 ans pour le péché d'Israël, plus 40 ans pour le péché de Juda, ce qui fait un total de 430 ans. On continue, vous l'avez gardé là. 70 ans ont déjà été payés par leur captivité à Babylone. Donc, 430 ans moins 66 ans, et il nous reste 360 années. Question à poser, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien arrivé? Il n'y a rien arrivé parce qu'Israël ne s'est pas repenti. Ça ressemble un peu à l'homme, hein? Vous pouvez vivre toute une vie, faire beaucoup de bien si vous voulez, mais si vous ne vous repentez pas, c'est comme si vous n'avez rien n'est arrivé. Il n'y a pas eu de relation avec le Seigneur. Le Seigneur est venu sauver les pécheurs, pas ceux qui n'ont pas de péché. Le problème, c'est que tous sont pécheurs. Alors, réponse. Pas de repentance, même à la fin des 70 ans de captivité à Babylone. 50 000 reviennent à Jérusalem et sans conviction. Ils reviennent, ils étaient près d'un million après la captivité babylonienne. 50 000 seulement reviennent. Ils n'y tenaient pas à revenir dans leur pays, ils savaient qu'ils étaient détruits. Ils étaient bien là-bas. Mais c'est un peu comme nous, les hommes, on est bien dans nos pensées. Ça a marché, moi, jusqu'à date. Là. Viens pas me brouiller un petit peu avec tes histoires. Là.
Un jour, je donne une conférence à Montréal, dans un hôtel. Il y avait de la place pour 400 personnes. Et puis, c'était, les assurances ne permettaient pas qu'il y ait une seule personne de plus. Et puis, c'était le soir. Je suis arrivé en retard parce que j'ai ma transmission m'a laissé en cours de route. Moi, je demeurais à Trois-Rivières. Et puis, il y avait des gens assis partout dans les allées. Là, entre les... Et puis, j'ai commencé à lui parler de ces choses-là. Et c'était une conférence qui s'appelait « Les sociétés secrètes et le système bancaire ». Avez-vous une idée qu'il y avait du monde qui voulait savoir, là? Ouais. Alors, j'ai commencé, puis j'avais fatigué toute l'après-midi, laissé mon auto en cours de route, attendre que le garagiste vienne me chercher, puis finalement, arrivé à... Ça, la conférence commençait à 7 heures, je suis arrivé sur les lieux à 7h05. J'ai couru à la chambre en courant, puis j'avais quelqu'un avec moi, je dis, lave-moi les bras, m'a me faire la barbe. En fait, nous avions avec nous, tombez pas sur le dos, là, on avait des cassettes à ce moment-là, et puis comment ils appelaient, là? Des VHS, c'est ça. Tu vas me suivre, toi, dans les conférences, de même quand je manque un mot. Et puis, on en avait on avait à peu près 200 à 300 de ces... Ils ont tous été vendus. Ça, il y avait tout, hein, il y a plusieurs sujets quand même. Hein. Et puis, on en a vendu des qui n'en finissaient pas pour en envoyer en Europe. Puis aujourd'hui, ben, c'est connu. Puis c'est nous qui avons fait amener en Europe le système bancaire. Les gens ne connaissaient pas qui a créé le système bancaire, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que l'État est en fraude contre nous, malgré que c'est le système bancaire. Le système bancaire est une fraude globale pour l'humanité. Allez sur mon site, là, allez regarder le système bancaire, vous allez tout comprendre. Et puis, on va manquer d'argent bientôt, c'est pas vrai, on ne peut pas manquer d'argent, elle n'existe pas. Il n'existe que des bons qui représentent de l'argent, puis là, on a encore des moulins à papier, puis il y a encore des arbres au lac Saint-Jean qui peuvent tomber. Vrai? Très bien. Très bien, alors, pas eu de repentance. On continue. La troisième captivité, c'est la captivité mondiale. La base de cette extension se trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 26, le verset 18. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, d'accord là? Si malgré ce que cela, vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus. 7 fois plus. Ils ne l'ont pas écouté. Non, ils sont. Non. Alors, on continue. J'ai bien dit que la base de cette extension se trouve dans le Lévitique. 22 à 24. Si vous me résistez et vous ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils vont les manger. D'accord? Les animaux sortaient des forêts puis ils se sentaient chez eux dans la cour du voisin. Qui détruiront votre bétail et que vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Sur ces châtiments, si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous ne résistez point, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois. Alors Dieu le répète à maintes reprises avant de passer à l'action. Donc, ouais, on l'a dit tantôt, je vous châtierai 7 fois plus. Tu vois? Alors Dieu, donc, va multiplier par 7. Et avant d'aller plus loin, on va résoudre l'énigme. Cette vache est née avec un 7 sur la tête. Vous le voyez là? Et à un moment, il y a à peu près une dizaine d'années de ça, quand Israël parlait de reconstruire le temple. Oui. Ça fait le tour du monde, ça, cette photo-là. Alors, je continue. Ici, là, il y a un petit peu de mathématiques, mais suivez-moi bien. Donc, 360 ans multiplié par 7 est égal à 2520 années. D'accord? Vous savez, ça, c'est le temps qui a été déduit de ce qui avait été payé, ainsi de suite. Bon. Puis, on va multiplier par 7 parce qu'on vient de voir que Dieu va les punir de 7 fois plus. Donc, ça donne 2520 années bibliques.
de 360 jours, chacune ou de 307 200 jours. 907, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là. Vous n'avez rien dit, vous? Vous êtes omnibulé, là? 907 jours, 207 200 jours. En jours de votre calendrier civil, il faut tout simplement diviser 907 200 par 365.25, ce qui donne un total de 2483 années, 8 années civiles. Ce serait donc la fin de la captivité mondiale après la captivité babylonienne en 536 avant Jésus-Christ. Ça va? Vous me suivez jusqu'à date, là? Très bien. Pour calculer le temps où Israël redeviendrait une nation, selon la prophétie d'Ézéchiel, il faut considérer ce qui suit. La captivité babylonienne s'est terminée au printemps de l'an 536 avant Jésus-Christ. Donc, 536.4 avant Jésus-Christ, et le point 4 est égal à avril. Alors, 536 ans en moins, eh bien, ça donne 2483 ans, 8. Ce serait la durée totale de la captivité. Est-ce que ça va? Et quel est le résultat? 1947.4. Moins 4. Janvier, février, mars, avril, et le mois suivant, c'est mai. Bon. Alors, la durée totale de la captivité d'Israël se prendrait fin en 1947. Mais, quand on calcule, il faut toujours ajouter une année, parce qu'on ne commence pas à un an. On commence à une seconde, à une minute, à une heure, à une journée, à une semaine, à un mois, puis à bout d'un an, ça fait un an. D'accord? Très bien. Alors, puis il dit, « Couche-toi sur le côté gauche, mais dis l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur le côté. » Et là, on recommence la même chose ici. « Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années, 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité. » Alors, je l'ai revu pour vous montrer que c'est de là que ça vient. Maintenant, pour composer entre l'an 0 et l'an 1 après Jésus-Christ, nous ajoutons une année, 1947 plus 1, fait le 15 mai 1948. C'est-tu assez extraordinaire, ça? Ça a été au jour à la minute, n'est-ce pas? Bon, alors là, commencez-vous à être convaincu que ce que Dieu dit quelque chose et qu'il ne vit pas dans le temps, il peut donner l'heure juste? Oui? Très bien, alors continuons. Le général en chef des armées israéliennes au mur des lamentations. C'est là, ce que vous voyez en arrière, là. Vous ne le voyez pas bien, mais autrement, en tous les cas, qu'importe. Oui, ou la réalisation prophétique d'Ésaïe 66:8. Là, ici, ce que vous voyez, c'est Ben-Gurion, en 1948. Il annonce au peuple qui est devant lui. Il annonce que l'Angleterre vient de leur donner la permission qu'ils sont désormais une nation. Essayez de comprendre comment le peuple juif a réagi. Ça fait 19 siècles qu'ils sont parmi les nations, puis qu'ils ont des difficultés de toutes les sortes, qu'ils se font mettre à mort, qu'ils se font crier ceci ou cela. Ils rentrent chez eux. Pendant tous ces siècles, Israël fête leur fête normale, le fête de l'automne, le fête du printemps, et puis ils finissent le fête en disant « Next year in Jerusalem ». Excusez-moi. Alors, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu semblable? Ouh là là!
Merci. C'est vous tous, c'est nous tous qui nous applaudissons. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion enfantée. On ne savait pas ce que ça voulait dire pendant des siècles. Ils espéraient, eux pouvaient espérer à ça. Mais les païens autour qui lisaient ça, ils disaient, mais ils sont fous. Non, non, on ne peut pas espérer. Surtout les Juifs qui étaient dispersés partout. Et ils sont rentrés au bercail. Alors voici, ça c'est le discours historique de Ben Gurion en 1948. Il est là. Très bien. Troisième thème. Il faut qu'on court, hein? Alors, nous venons de voir l'impossibilité mathématique que Jésus ne soit pas le vrai, suivi de la date exacte de la réalisation de la prophétie sur Israël devenant une nation en un jour. Puisque les Écritures ne nous mentent pas d'une façon claire. Ah non, non, plus ne nous mentent pas. Ah non, là, tu vas m'aider, hein, ça veut dire. Puisque les Écritures ne nous mentionnent pas d'une façon claire le jour de l'enlèvement, nous donnerait-il la saison? Nous donnerait-elle la saison? Oui, certainement. Les révélations des jours de 1000 ans, ça, c'est très important. Et j'ai été très surpris quand je suis arrivé en Europe de voir que les Européens ne connaissaient pas ce petit tableau que je vais vous présenter. Les jours de 1000 ans. Premièrement, dans Josué 3, le verset 4, Josué dit, « Il y aura entre vous et elle, qui elle ?» Ben, allez le voir là. Une distance d'environ 1000 coudées. 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Alors, Israël n'a pas passé par le chemin que la prophétie lui dit. L'Israël est sous la loi, d'accord? Et puis le chemin s'appelle Jésus. Puis il n'a pas passé par ce chemin-là. Puis il n'a pas encore passé aujourd'hui non plus par le chemin de la grâce. Quelques-uns, il y a de plus en plus de Juifs qui se convertissent dernièrement. Il y a un mouvement général à Jérusalem, à Tel Aviv, dans les villes. Il y a les chrétiens, les Juifs chrétiens évangélisent comme jamais. Là, la Knesset se sont levés et ont dit qu'il faut faire arrêter ces gens-là, il faut même les mettre en prison ou les donner des fortes amendes. Ça fait 15 jours seulement, le monsieur Netanyahou s'est levé et a dit non, pas vrai. Il a mentionné dans un autre article que j'ai lu que les chrétiens leur ont été d'une très, très grande utilité pour, à cause de l'argent qu'on apporte en Israël chaque année. Moi, je suis allé en Israël plusieurs fois. Et puis, je vais vous dire que ça coûte quand même quelque chose, mais c'est une source de revenus incroyable, avoir des étrangers qui viennent visiter. Donc, c'est à ce point-là qu'ils sont rebelles. Est-ce que M. Netanyahou l'a fait pour des raisons chrétiennes? Je ne pense pas, mais des raisons pratiques. Il pratique des choses. Qu'importe. Dieu confirme autrement avec Osée. Dans Osée 6:2, Osée dit quelque chose que si vous ne connaissez pas la signification à partir des psaumes et du Nouveau Testament, vous ne pouvez pas le comprendre. C'est quelque chose qui était fait pour qu'on ne comprenne pas. Ce n'est pas une parabole, mais tout proche. Osée sort ça tout d'un coup de main. Il dit, « Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Alors là, c'est au futur. Hein? Il nous rendra la vie, mais le troisième jour, nous vivrons devant lui. Alors, voyons ce que ça peut vouloir dire. Voici le code des jours. Psaume 90. « Car 1000 ans, sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme la veille de la nuit. Entre le jour d'hier et la veille de la nuit, c'est écoulé 24 heures, c'est écoulé un jour. » D'accord? Apocalypse 20, le verset 2. « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qu'est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Il est connu, même dans l'Ancien Testament, que le 7e jour, Dieu se reposa. Donc, le temps depuis Adam jusqu'à la,
le millénium, il y aura 7 jours. Des jours de 1000 ans. Pourquoi? Parce que Satan a été lié à la fin du 6e jour. Nous sommes à la fin du 6e jour et quand Jésus va revenir, ce sera le 7e jour qui va commencer. Et puis, un jour, c'est 1000 ans et Satan est lié pour 1000 ans. Bon, on va le rendre plus pratique encore. La question ici est-il ici question d'une génération de 70 ans? Non, il n'est pas question d'une question de 70 ans, mais elle a quelque chose à faire. La définition et la durée d'une génération nous est donnée au psaume 90 encore, mais les versets 10 et 12. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. D'accord? Une génération, c'est 70. Pardon? Ah oui? Ah bon? Très bien, merci beaucoup. Répétition de Jésus sur le temps de l'Église. Regardez bien ce que Jésus dit. On est dans Luc, là, hein? On n'est plus dans l'Ancien Testament. Mais on n'est pas complètement dans le Nouveau Testament. Hein? Vous saviez, les évangiles ne sont pas encore sur le Nouveau Testament. Ils sont dans une période intermédiaire. Pourquoi? Mais parce que pour être sur le Nouveau Testament, ça se fera que lorsque Jésus dira « Tout est accompli ». Il n'y avait rien d'accompli quand ils parlent. Parce que oui, on va voir la crucifixion, mais à la fin des évangiles seulement. Alors, les évangiles, c'est une période intermédiaire. Alors, voici ce qu'il nous a dit là. Il leur répondit « Allez ». Il dit à ce renard, pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que les Juifs veulent se débarrasser de Jésus. Et puis, Hérode aussi veut le faire. Puis là, il dit, les Juifs se trouvent une bonne raison. Ils vont voir Jésus, puis il lui dit, hey, va-t'en, parce que Hérode veut te faire mourir. Mais Jésus sait très bien ce qu'il y a dans leur cœur. Ils sont bien contents que s'il ne peut pas être là, parce que si il s'est annoncé comme le roi. Et puis Hérode, qui était le roi, avait peur. Il a envoyé tuer les enfants en bas de 2 ans parce qu'il avait peur de lui. Alors, il leur répondit ceci. « Allez dire à ce renard. » Un renard, c'est cruel, vous comprenez? « Et voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. » Ah bon? On a vu qu'un jour, c'est 1000 ans. OK, le premier 1000 ans, c'était aujourd'hui, dans son temps, et demain, c'est le deuxième clause du 1000 ans, enfin 2000 ans, et c'est terminé maintenant. Et le 3e jour, j'aurai fini. Pourquoi est-ce qu'il aura fini? Eh bien, je vais vous montrer pourquoi il aura fini. Il va avoir fini. Voici une autre information plus précieuse. On va les voir à la fois. Apocalypse 20, le verset 2 nous dit. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Puis, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela soit arrivé. Quelle génération? La génération qui a vu Israël entrer et devenir une nation. Ce qui veut dire que 1948 plus 70 ans égale 2018, le 14 mai 2018. Oui, mais on est encore là. Qu'est-ce qui arrive là? Il s'est trompé, le Seigneur. Peut-être pas. Ou réouvrons le livre. La définition et la durée d'une génération nous est donnée au psaume 90, 10 et 12. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. D'accord? Et pour les plus robustes, à 80 ans. Donc, 10 ans de plus. Et nous sommes en 2023 et ça se terminera en 2028. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent qu'on va se rendre en 2028. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui le pensent. Alors, on continue maintenant. Et l'orgueil qu'ils en tirent de ce 10 ans supplémentaire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Nous nous envolons.
Alors, ils passent, ils n'ont tient que peine et misère. C'est à peu près dans les années 2018-2019 qu'on commence à rentrer dans des tribulations difficiles financières et autres. Le coût de la vie, ainsi de suite. Arrivent les problèmes sur la planète, les problèmes dans le ciel. Les astronomes, on voit des choses dans le ciel qui ne s'est jamais vues. On voit des choses sur la planète Terre, des inondations. Vous avez vu ce qui arrive partout. C'est jamais arrivé qu'on... les gouvernements, là, si on continue comme ça, ne peuvent pas supporter ça. Actuellement, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Ils ont des subventions. Mais ils ne sont pas équipés pour avoir des subventions si ça continue à se faire comme ça. On continue maintenant. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous nous appliquions à notre cœur à la sagesse. Et la sagesse nous inspire que la Bible a raison partout et que la Bible nous dit que Jésus revient puis qu'il y a encore des gens à sauver puis qu'on doit s'y appliquer. C'est là qu'on doit s'appliquer. On doit mettre tous nos efforts dans le même panier. Cette génération se termina le 14 mai 2018, mais les psaumes 90 et 12 donnent un ajout de 10 ans, total de 80. Qui est entamé de 5 ans ce mois-ci. Au mois de mai, on est au mois de mai, là. On continue. Le quatrième thème. Les trois prophéties les plus remarquables sous nos yeux nous placent tout à fait à la fin. Alors, il y a les trois prophéties que je vais vous présenter maintenant, c'est des prophéties sur la séduction. Notre monde est tombé dans un état de séduction. Et vous allez voir le genre de séduction. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est fait, hein? Vous le voyez. Dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 et 10, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. » Ça veut dire quoi? La technologie, d'accord? Des soi-disant miracles qui n'en sont pas. De la très haute technologie. Vous allez en voir prochainement. C'est déjà commencé. Avec toutes les sortes de miracles, de signes, de prodiges, ils sont mensongers. Et avec toute la séduction de l'iniquité, c'est pour ça que j'y tiens, vous le voyez, toute la séduction du mal, pour ceux qui périssent. Il y a des gens qui périssent, savez-vous pourquoi? Mais vous y avez marqué là. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, parce qu'ils rejettent Jésus. Ils aiment mieux rester attachés à leur secte ou à leur religion. Jésus n'est pas venu ici pour créer une religion. Il est venu ici pour nous dire, voici mon grand, ce que je m'attends de toi. Tu ne sais pas, mais t'es foutu parce que tu as en toi une semence de mort, puis tu pèches régulièrement contre moi, ma volonté et mon amour. Et puis c'est nous ça. Vous avez beau vous penser bon parce que vous êtes engagé, mais on s'engage parce qu'on a compris des choses et pas parce qu'on a changé à ce point. Si vous étiez dans un autre milieu pour sauver vos fesses, peut-être vous comprendriez qu'il y a du méchant en nous. Mais lui, il n'en tiendra pas compte. Il tient compte d'une chose, on va le voir tantôt, il y a quelque chose qui tient. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ben ici, on écoute une vidéo. Je vais m'asseoir pour écouter cette vidéo avec vous. Hop, ça va pas? Le projet Bluebeam de la NASA est composé de 3 étapes différentes afin de mettre en place la religion New Age ainsi que, à sa tête, ce que l'on nomme l'Antéchrist. Nous devons nous rappeler que la religion New Age est la fondation même du nouveau gouvernement mondial. Sans celle-ci, la dictature du nouvel ordre mondial est complètement impossible. Je le répète, sans une croyance universelle dans la religion New Age, le succès du nouvel ordre mondial sera impossible. C'est pour cela que le projet Bluebeam est si important pour eux, mais a été si bien caché jusqu'à présent.
La première étape concerne le renversement de toutes les connaissances archéologiques. Elle traite de la mise en place de tremblements de terre provoqués artificiellement à certains points précis de la planète ou des découvertes censées démontrer à tous les peuples l'erreur des doctrines religieuses fondamentales sont faites. La falsification de cette information servira à faire croire à toutes les nations que leurs doctrines religieuses ont été incomprises pendant des siècles et mal interprétées. Une préparation psychologique a déjà été réalisée avec le film 2001 « L'Odyssée de l'espace », les séries Star Trek et La Guerre des Étoiles, qui parlent d'invasions venant de l'espace et du rassemblement des nations pour repousser les envahisseurs. La seconde étape implique un space show, un spectacle spatial gigantesque avec des sons et des hologrammes optiques en trois dimensions, des projections laser d'images holographiques multiples dans différents endroits du monde, chacun recevant une image différente en accord avec la foi religieuse nationale dominante. Cette voix de Dieu parlera dans toutes les langues. Pour comprendre ceci, nous devons considérer diverses recherches secrètes effectuées ces 25 dernières années. Les Soviétiques ont perfectionné un ordinateur sophistiqué et l'ont programmé avec les données sur l'anatomie du corps humain et les propriétés électriques, chimiques et biologiques du cerveau. Ces ordinateurs furent également alimentés avec les langages de tous les peuples et leurs significations. Les dialectes de toutes les cultures ont été introduits dans ces ordinateurs depuis des transmissions satellites. Les Soviétiques ont alimenté les ordinateurs avec des programmes comme celui de la venue d'un nouveau Messie. Il semble également qu'ils aient eu recours à des méthodes criminelles envers la société humaine en attribuant des longueurs d'onde électroniques pour chaque personne, société et culture, afin d'induire des pensées suicidaires si la personne ne se conformait pas au commandement du nouvel ordre mondial. Il y a deux aspects différents concernant la deuxième étape. Le premier est le space show. Les images holographiques seront utilisées dans une simulation du spectacle final pendant lequel il sera montré à toutes les nations des scènes qui sont l'accomplissement de ce qu'elles désirent en matière de prophétie. Celles-ci seront projetées à partir de satellites sur la couche de sodium dans l'atmosphère. Nous en voyons des essais de temps en temps, mais ils sont appelés OVNI ou soucoupes volantes. Le résultat de ces événements sera de montrer au monde le nouveau Christ Maitreya pour la mise en place de la nouvelle religion mondiale. Une imitation sera imposée à un monde crédule pour le leurrer. Même les plus informés seront trompés. Le projet a perfectionné un dispositif qui permet de soulever l'enthousiasme d'une masse énorme de personnes, comme dans une extase. Le projet Bluebeam prétendra être l'accomplissement des prophéties et il culminera en une imitation de l'événement qui se produisit il y a 2000 ans. En principe, on utilisera le ciel comme un écran de cinéma pendant que des satellites projetteront simultanément des images aux quatre coins de la planète dans toutes les langues et dialectes. Les images holographiques sont basées sur des signaux qui se combinent afin de produire une image s'appliquant également à des ondes acoustiques ELF, VLF et LF. Nul endroit au monde ne sera épargné. Avec des animations et des sons qui sembleront émaner des profondeurs de l'espace, les croyants des diverses religions croiront voir le retour de leur Messie dans une convaincante imitation de la réalité. Ensuite, les projections de Jésus, Mohammed, Bouddha, Krishna, etc. se fondront en une seule image, après que des explications à propos des mystères spirituels auront été divulguées. Ce Dieu unique virtuel est l'Antéchrist. Il enseignera que les Écritures saintes ont été mal interprétées et que les religions anciennes sont responsables des conflits entre les nations. Ainsi, les religions feront place à la religion du Nouvel Âge, représentant le Dieu unique. Naturellement, de cette gigantesque falsification, il résultera un désordre social à grande échelle, chaque nation blâmant l'autre pour la supercherie et libérant ses millions de fanatiques dans un état de possession démoniaque. De plus, cet événement se produira à une époque de profonde anarchie politique mondiale et de tumulte général créé par une catastrophe mondiale. Les Nations Unies prévoient l'hymne à la joie de Beethoven, déjà utilisé comme hymne européen, comme hymne international pour l'introduction de la religion mondiale du Nouvel Âge. Si nous mettons en parallèle ce space show avec la guerre des étoiles,
nous comprenons que la combinaison de radiation et de l'hypnose ont fait l'objet de recherches intensives. En 1974, par exemple, le chercheur Chapitz disait d'un des projets de recherche « Dans cette investigation, nous montrerons que les mots prononcés par l'hypnotiseur peuvent être convertis en énergie électromagnétique dans la partie subconsciente du cerveau humain, sans employer de moyens mécaniques et sans que la personne exposée à de telles influences puisse contrôler consciemment l'information. Notre comportement conscient sera perçu comme émanant de notre libre arbitre. Quiconque enquêtant sur les phénomènes de channeling devrait prendre en considération ce domaine de recherche. Il est notable que le nombre de ceux qui pensent être des channels, des canaux, s'est intensifié depuis que ce type de recherche est en cours. Il est étonnant à quel point leurs messages sont similaires en dépit des entités différentes qu'ils prétendent être leur source de guidance divine. Cela suggère que n'importe quelle personne qui capte des informations par channeling devrait être assez perspicace pour évaluer d'une manière critique d'où vient le message qu'elle reçoit et si le message est favorable au nouvel ordre mondial. Le journal Sydney Morning publia un article le 21 mars 1983 annonçant que les Soviétiques avaient développé une technologie permettant d'envahir l'esprit humain. Cet article concerne les savants soviétiques qui ont créé le superordinateur dont nous parlions auparavant. Ce type d'ordinateur est commandé par satellite. Les ordinateurs furent alimentés par tous les langages et dialectes ainsi que leurs significations. À présent, ce sont les États-Unis, les sous-fifres du nouvel ordre mondial, qui alimentent les ordinateurs avec les informations nécessaires. Il est possible que la personne ayant créé ce programme de méga-contrôle de l'esprit pourrait vendre le software à une organisation et ne pas être conscient que le client puisse utiliser ce programme pour réduire en esclavage toute l'humanité. Les programmateurs informatiques ignorent le but réel du travail qu'on leur commande. Les recherches sont cloisonnées et seuls les commanditaires en connaissent la finalité. Voyez à quel point ils ont avancé depuis que cet article fut publié. Les progrès techniques nous emmènent à la troisième étape du projet Bluebeam, qui va de pair avec la communication télépathique et électronique à double sens, où les ondes ELF, VLF et LF atteindront chaque personne à l'intérieur de sa propre tête, convaincant chacune que son Dieu lui parle depuis les profondeurs de son âme. De tels rayons venant de satellites sont alimentés par la mémoire des ordinateurs qui ont stocké les données à propos de chaque type humain et son langage particulier. Les rayons vont ensuite s'entrelacer avec la pensée naturelle pour former ce que l'on appelle la pensée diffuse artificielle. Ce type de technologie servit dans les recherches des années 70, 80 et 90, au cours desquelles le cerveau humain fut comparé à un ordinateur. L'information est stockée, traitée, intégrée, et ensuite une réponse adaptée est formulée. En janvier 1991, l'Université d'Arizona organisa une conférence intitulée « Atelier de recherche perfectionné de l'OTAN sur le phénomène émergent et les systèmes biomoléculaires ». Durant cette conférence, il fut adressé une mise en garde effrayante aux scientifiques présents à propos des abus potentiels de leurs recherches. Leur conclusion disait que les États-Unis ont développé des équipements de communication qui permettent aux aveugles de voir, aux sourds d'entendre et aux paralysés de marcher. Il ne s'agit pas de science-fiction. Certains de ces équipements sont opérationnels à l'Agence d'intelligence centrale, CIA, et dans le Bureau fédéral d'investigation, FBI. Cela ne sera jamais utilisé pour redonner la vue aux aveugles, faire entendre les sourds et faire marcher les paralysés, parce que c'est une technologie essentielle pour le programme politique des marionnettes du nouvel ordre mondial. Ces équipements de communication seront utilisés pour torturer et tuer des personnes qui correspondent au profil d'une population donnée de dissidents. M'entendez-vous? Est-ce que vous avez compris un peu ce qui est programmé là? Mais ce n'est pas d'hier quand on se prépare à ça. Mais c'est là, là. C'est une réalité maintenant. Il me reste un petit moment, mais j'ai un autre document à vous montrer aussi important que celui-là. Ça va? On y va?
il y avait l'apostasie. Celui-ci, l'autre faisait partie de la séduction, d'accord? Parmi les signes les plus importants, celui-ci fait partie de l'apostasie. En parlant, il y a quelques instants, quelqu'un m'a demandé ce que ça veut dire apostasie. Ça veut dire nier la doctrine de Jésus. D'accord? Ah, l'apostasie biblique, là, c'est nier la doctrine de Jésus. Alors, voyons maintenant combien de gens ont pu nier la doctrine de Jésus et comment, quel choix serait-il devant eux. On y va. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu différente pour vous. C'est une information qui, d'une certaine manière, vous apportera beaucoup de joie. Mais pourquoi de la joie? Parce que vous allez voir que bientôt, ce que nous attendons le plus va arriver. Le temps du salut arrive, mes frères. Il ne reste plus aucun doute que nous sommes dans le processus final des choses. Et nous savons bien quelle est la promesse de Dieu pour nous tous. À la fin de tout cela, le salut arrive. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai abordé ce sujet dans le passé, en parlant du temple pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, tous réunis au même endroit. Et on a appelé cet endroit la maison de la famille abrahamique. Mes frères, maintenant, c'est officiel. C'est déjà une réalité en 2023. Cette construction vient d'être inaugurée cette semaine. Un centre interconfessionnel comprenant une synagogue ouvrira jeudi à Abu Dhabi. Regardez cela. Ce qui n'était qu'un projet de centre religieux est maintenant prêt à être inauguré sous nos yeux. C'est la maison de la famille abrahamique, composée de ces trois bâtiments. Une mosquée, une synagogue et une église. Mais vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cela signifie? Peut-être que vous êtes nouveau sur cette chaîne et n'avez pas encore suivi tout ça. Mes frères, ceci est le résultat final d'une grande initiative qui a été réalisée par le pape François lui-même et le président des Émirats arabes, Mohammed bin Zayed. Il y a aussi eu la participation de l'administration Trump avec cet accord de paix et d'une certaine manière, toutes les choses se sont réunies pour le bien de cet accord. Mais tout a été mené par le pape pour pouvoir garantir un lieu pour cette union basée sur la fraternité et l'humanisme. Et c'est ça le point central de la question de la nouvelle religion mondiale. Mes frères, ce que vous regardez en ce moment, c'est la formation d'une religion mondiale. Vous comprenez ce que cela signifie? Nous assistons à l'unification de tout ce qui est aujourd'hui dispersé. Mais comment ça? Laissez-moi vous expliquer. Vous savez qu'il y a des nations et qu'il y a des gouvernements pour chaque nation. Et comment agissent-ils aujourd'hui? N'agissent-ils pas tous ensemble? C'est donc ça. La chose émane du haut, d'une seule direction, d'un gouvernement mondial et se dirige vers toutes les nations du monde. De plus en plus, on voit de différents dirigeants de ce monde dire que la création d'un gouvernement mondial est indispensable. Un gouvernement qui puisse faire en sorte que les gens obéissent et que les pays aussi obéissent aux décisions liées par exemple au changement climatique et à toute autre chose qui exigerait de l'obéissance de la part de tous. Et cela supprime complètement l'autonomie des pays. Car si le gouvernement mondial a donné ses ordres, c'est terminé. Cet ordre sera appliqué, point barre. Alors qu'est-ce qu'on voit maintenant en 2023? Cette religion dont il parle est en train de naître sous nos yeux, mes frères. Et cela vient de s'accomplir cette semaine. Mais cela signifie-t-il que les autres religions vont cesser d'exister immédiatement? Non. Cela va fonctionner de la même manière que maintenant. C'est-à-dire de la même manière que la chose fonctionne pour un éventuel gouvernement mondial. Il y a des gouvernements dans les pays, il y a effectivement des différences entre eux,
Mais l'idée est qu'à un moment donné, tout le monde obéisse aux mêmes ordres. Et l'on sera de même pour la question de la religion. Avant tout, il y aura cette union d'où viendront les mêmes ordres pour toutes les religions, afin que toutes agissent comme une seule. C'est ainsi que fonctionnera le gouvernement mondial. C'est ainsi que sera la religion mondiale, que certains appellent même le Chrislam. Et les premiers pas pour tout ça ont déjà été faits, mes frères. J'avoue que j'ai du mal à croire que je vous annonce une nouvelle comme celle-là. Lisons une partie de la nouvelle, puis je veux vous montrer après quelques photos et quelques vidéos. La synagogue Moses Ben Maimon d'Abu Dhabi a été inaugurée jeudi et tiendra ses premiers services de Shabbat ce samedi. Alors hier, mes frères, c'est tout récent, hier on a déjà réalisé des cultes à cet endroit. La synagogue fait partie de la maison de la famille abrahamique sur l'île de Sadiyat, qui contient des lieux de culte pour les trois confessions abrahamiques, une synagogue, une mosquée et une église. Chaque lieu de culte a été soigneusement conçu, incorporant des matériaux et une architecture traditionnelle utilisée dans les trois religions. L'autel de l'église pointe vers l'est, la mosquée pointe vers la Kaaba à la Mecque et la bima de la synagogue qui est une plateforme surlevée avec un bureau de lecture pour la Torah et les rouleaux de la Torah font face à Jérusalem. La synagogue d'Abu Dhabi a ouvert ses portes jeudi et tiendra son premier service de Shabbat ce samedi. Alors hier, elle était déjà en service. Mais peut-être que vous vous demandez, est-ce que tous les Juifs sont d'accord avec cela? Évidemment, non. Et nous pouvons dire la même chose pour les chrétiens. Ils ne sont pas tous d'accord. Il y a seulement quelques groupes qui le sont. Mais comprenez que ce qui est montré ici n'est que la belle partie des choses, c'est-à-dire l'union, la tolérance, ces belles cérémonies, etc. Mais mes frères, comprenez qu'au-delà de ces belles choses qui nous sont montrées, nous avons aussi la question prophétique qui s'est accomplie. Et peut-être qu'en m'entendant dire ça, vous pensez, mais êtes-vous contre la paix et l'unité entre les peuples? Non, évidemment que non. Il ne s'agit pas de cela. Je vous apporte simplement l'information que la prophétie s'est accomplie, vous comprenez? Je sais simplement que cela va arriver parce que la prophétie et les paroles du Seigneur ne seront jamais frustrées. Tout va s'accomplir et nous pouvons regarder cette réalité et n'avoir aucun doute sur le fait qu'il est plus que temps de se tourner vers le Seigneur, de se repentir et d'abandonner nos vies à Jésus-Christ. Vendredi, une conférence doit avoir lieu pour discuter des relations futures entre les religions. Parmi les conférenciers figure le rabbin David Rosen, directeur des affaires interreligieuses. La communauté locale, sous la direction du rabbin Yehuda Sarna, grand rabbin du Conseil juif des Émirats, organisera des prières de Shabbat et des festivités. Le rouleau de la Torah du président émirati lui sera dédié. Ici, on peut voir quelques photos de l'inauguration. Nous voyons aussi les représentants des trois religions. Regardez aussi le pape François sur le grand écran. Mes frères, ce que nous voyons ici est historique. Ce que nous voyons est prophétique, vous comprenez? Nous avons ici des images qui montrent depuis le moment où tout a commencé, où tout a été signé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, où je vous parle en ce moment et où tout s'est accompli. Mes frères, mais et maintenant? Que se passe-t-il à partir de maintenant? À partir de cette unité, de cette fraternité et de cet humanisme? Mes frères, cela signifie que ce sont des accords de paix avant tout. Vous vous souvenez que Donald Trump, avec Jared Kushner et Jason Greenblatt, qui est associé à l'administration Trump en Israël, ont d'une certaine manière pavé la route pour cet accord de paix. Donc mes frères, tout se passera selon ce que Dieu a dit. Tout se passe selon ce que Dieu a donné à ses prophètes. Peut-être qu'en recevant cette nouvelle, vous êtes profondément effrayé dans votre cœur. Mais rappelez-vous que Dieu n'a jamais perdu le contrôle, mon frère. Donc mes frères, aujourd'hui, l'accord de paix est là. C'est une réalité. Mais quelques nations clés manquent encore à l'appel. Par exemple, l'Arabie Saoudite. Et c'est extrêmement intéressant de voir les Juifs, les chrétiens et les musulmans se rapprocher de plus en plus. Principalement les Juifs et les musulmans. Dessiner des accords de paix comme celui-ci sont des choses qui ouvrent la voie à quelque chose d'absolument important. Vous savez de quoi je parle? Je parle du troisième temple, mes frères. Et théoriquement, il est déjà en cours de construction par Israël. Les Palestiniens eux-mêmes l'ont dénoncé parce qu'ils ne veulent pas de conflit qui consisterait à devoir diviser la montagne du temple où se trouve également une mosquée. Ils ne veulent pas cela et ils ont déjà dénoncé le fait qu'Israël réalise déjà des structures souterraines et que le tout est déjà en cours de construction.
L'Arabie Saoudite a un rôle crucial dans cette situation parce qu'elle est une nation très forte. Quand elle entrera dans cet accord de paix qui a été fait par Trump, Jared Kushner, Israël avec les autres pays arabes, ce sera une grande étape qui va ouvrir la voie pour la construction officielle du troisième temple. Et mes frères, nous sommes très proches de cela. Et c'est pour ça que je vous ai dit que cette nouvelle vous apporterait de la joie. Parce qu'après tout, les prophéties sont en train de se réaliser et bientôt le salut arrivera. Vous comprenez? Regardez ces images. Il n'y a aucun doute que cette œuvre a vraiment été inaugurée. Ici, vous pouvez voir une image qui montre les symboles. La première image montre un temple juif. Et juste à côté, nous avons une croix indiquant le temple chrétien. Et juste en dessous, nous avons le symbole de la lune représentant l'islam. Nous voyons donc que tout cela se passe sous nos yeux. L'inauguration a eu lieu il y a 2 jours. Et maintenant, mes frères, nous allons voir les choses s'accélérer de plus en plus. Il s'agit certainement d'une très belle construction. Mais cela représente un grand signe pour nous qui croyons aux paroles laissées par le Seigneur. Cette grande union des choses diverses, que ce soit avec les gouvernements ou les religions, est exactement le monde imaginé par les puissants de ce monde. Ainsi, les ordres seront toujours donnés par une seule instance supérieure pour tous les gens qui sont en dessous. C'est ce qui se passe en politique, c'est aussi ce qui se passera dans le domaine de la foi. Alors, gardez les yeux ouverts. Mes frères, nous ne sommes pas confrontés à quelque chose qui est sans intérêt. Il est grand temps de chercher le Seigneur, de crier pour la repentance et pour le pardon de nos péchés. Le Seigneur a une vie abondante pour nous. Il nous veut près de lui, mais rappelez-vous que son amour va de pair avec sa justice. Alors, repentez-vous de vos péchés et abandonnez votre vie à Jésus. Est-ce que c'était assez convaincant pour vous? Quand on y ajoute ce que vous savez sur le nouvel âge, eh bien, tout est en fonction maintenant. Alors, on peut continuer. Les 3 prophéties les plus remarquables sous nos yeux nous plaçant tout à fait à la fin. L'apostasie, nous l'avons vu, nous venons de la voir. Dans 2 Thessaloniciens, il nous a dit que personne ne vous séduit. Maintenant, c'est le verset que je tiens à vous montrer, c'est celui-ci. Ça, ce que vous avez vu est entièrement contraire à ce verset. Il parle aux chrétiens là. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et le mal et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou Baal? Ou quelle part de fidèle avec l'infidèle? Ce que vous avez vu, c'est celui que des millions de personnes, des milliards, mettons 1 milliard, 200 millions de personnes sont supposées être catholiques, d'accord? Ben, ils sont aux prises avec un pape qui leur dit qu'on n'a pas besoin de Dieu pour aller au ciel. Ils sont en rapport avec un pape, parce que les catholiques croient que le pape, c'est le substitut de Jésus-Christ sur la planète, ce qui est un mensonge depuis le début. La Bible ne nous en parle nulle part. Et de plus, ce pape dit aux gens que l'homosexualité, ce n'est pas un problème du tout. On est né comme ça. Si vous êtes né comme ça, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, ben, il est le représentant quand même de tous ces curés qui ne pensent pas nécessairement comme lui, mais sont pris entre l'arbre et l'écorce. Et l'unique raison, c'est qu'en 1855, Pie X a fait signer un nouveau document comme quoi que le pape était infaillible. Alors, si le pape est infaillible, eh bien, ce qu'il vient de dire, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Jésus pour aller au ciel. Et puis, on peut s'assembler avec n'importe qui. L'islam, moi, je suis allé en Israël souvent, et il y a un grand tableau sur le marqué « Notre Dieu est Allah, Mahomet est son prophète, et Allah n'a pas de fils. » D'accord? Et la Bible nous dit que si vous ne croyez pas au fils, il n'y a pas de vie éternelle sans le fils. Alors, c'est la contradiction totale, et le mot « chrislam » est déjà sur la place publique. Ça veut dire « christianisme » et « islamique ». Alors, voilà où nous en sommes. Peut-être que vous dites la première fois que vous entendez ça, mais c'est pas. Il y a tellement de choses que vous n'avez pas entendues encore, il faut commencer quelque part. Nous sommes à la fin. Alors, je vais quand même avancer ici, puis on va terminer bientôt, mais la troisième grand signe, il est là, il vient là, je vous le donne maintenant.
Il y a une vidéo, mais on vient de la voir, celle-là. Il n'y a pas d'autre à voir. La marque de la bête, c'est le dernier des signes à voir. Dans Apocalypse 13, le verset 15 à 18, il nous a dit, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. » Elle fit que tous, les petits comme nous, les grands comme eux, est-ce qu'il y a le grand derrière? Les grands, les riches et les pauvres, libres et esclaves, reçussent, c'est du vieux français, mais ça se dit bien, vous comprenez quand même, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur le front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nom, et son nombre, le voici. C'est ici la sagesse, que si vous avez de l'intelligence ou de la sagesse, calculez le nombre, et ce nombre est un nombre d'hommes, c'est 666. Alors le voilà, ici il y a cinq choses à se souvenir. Le nombre du nom de la bête. Premièrement, elle se positionne sur la main droite et sur le front. C'est ce que la Bible nous dit. Deuxièmement, on ne peut pas faire de transaction sans elle. Vous avez tous été disciplinés dernièrement à ce qui vient. Quand ils vous ont suggéré le pass vaccinal, bien, ils vous ont fait la même chose que là. Vous ne pouvez pas, oui, vous n'avez pas été privé partout, parce que ça aurait été la bagarre, la révolte, mais ça va venir la révolte, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient là. Et puis, alors, vous avez connu ce que c'était. Mais cette fois, ce sera pire. Ce sera pour tous. Et il va y avoir des critères très serrés. Et si vous ne répondez pas aux critères, vous allez être obligé d'aller manger chez le voisin. Et ça peut durer un temps chez le voisin, deux temps, mais ça ne marchera pas tout le temps. Alors, on continue. La troisième, c'est le nombre, c'est 666. Et elle parle et elle communique. Et son image est animée. On continue? Alors voici pour vous quelque chose de spécial ici, qui ne fait pas longtemps qu'on l'a. Alors voici, ça vient du National Library of Medicine. Alors voici ce qui est marqué à gauche là. Je vais le lire en anglais. Je vais aller ici, ça ne vous fait rien, madame? Validité de la température de la main. Ils vont marquer le risque parce qu'ils ne veulent pas que les chrétiens embarquent trop, mais c'est ça. Elle va être filmée, si vous voulez, photographiée pour la population du COVID-19. C'est un prospectif d'étude pour le monde vrai. Alors, il nous dit, elle fit que tous reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front. C'est marqué dans l'Apocalypse, ça fait 2000 ans que c'est là. Puis c'est aujourd'hui que ça arrive. Un peu plus bas, la cryptocurrency, ça veut dire l'argent qui arrive. Moi, j'ai de l'argent dans mes poches. C'est facile avec ça, hein? Tu vois, tu l'avais gagné, vous avez fait vos soirs durant la semaine. Maintenant, vous allez à l'épicerie ou n'importe où, vous échangez vos soeurs avec ça, puis vous procurez des choses, n'est-ce pas? Il y a des valeurs, bien sûr, mais ça va être plus facile de se prémunir des valeurs. Mettez un cadenas sur vos poches. Que d'être pris avec la nouvelle monnaie courante qui vient. Les données de l'activité corporelle, la température du corps, sont détectées et transmises pour être vérifiées si une ou plusieurs des conditions seront respectées afin de relier l'utilisateur à un système numérique de crypto-monnaie. Si vous ne répondez pas à tous les critères qui sont là, si vous faites de la fièvre, faites de la grippe, ça ne fonctionnera pas parce que vous pouvez être détenteur d'un virus qui va tuer l'autre. La même sornette va arriver qu'on nous a présenté pendant 3 ans. Et puis, il y a encore beaucoup de gens qui y croient. Vous êtes mieux de me croire. Il y a beaucoup de gens qui y croient encore. La naïveté est grande chez nous au Québec parce que c'est ici qu'on teste les choses.
Alors, les données, ça c'est extrait du brevet. Regardez le brevet 2020, d'accord? 2000, ça a commencé là. Et 06-06-06. Bill Clinton qui est derrière tout ça et son équipe. Et c'est pas quelque chose d'à peu près là. Ça fonctionne. On pourra prendre votre température à distance. Pardon? Bill Gates, Bill Clinton, non, ben enfin. Regardez, alors qui est là, là. Bill Clinton, il est dans d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de vous parler. Ils vont rire longtemps comme ça? Très bien. Et que personne ne peut acheter ni vendre, regardez votre passeport vaccinal, là. Il est là. Alors voilà où nous en sommes. Continuons maintenant. Que c'est un nombre d'hommes, n'est-ce pas? Et son nombre, c'est 606. Le numéro 4. Le numéro 3, le numéro 4 maintenant. Et elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête afin que l'image parle. Il y a le mot communication ici. Là. Communication, communication, communication. Et cette communication, c'est le numéro 4, celui-ci. Vous le voyez, c'est l'œil qui voit tout. Vous le voyez, l'œil qui voit tout, là? Il y a plein de pixels ici, puis de petites surfaces qui couvrent 180 degrés. Là, vous êtes vu là-dessus, et puis vous êtes là, là, par exemple, on vous voit, et puis votre visage est déjà crypté quelque part, puis ils savent que c'est vous, puis ils peuvent, à partir de ce moment-là, envoyer un message directement à un ordinateur central, et vous allez vous acheter de quoi manger ce soir, vous arrivez pour payer, puis c'est bloqué, parce que vous ne répondez pas tout à fait aux critères. C'est pour nous rendre la vie tellement difficile qu'il y a une révolte. Puis mais le peuple québécois n'a pas de problème, lui, il ne se révolte pas. Alors le meilleur des réseaux de télévision, l'innovation. Regardez, il nous présente ça, une grande innovation, qualité et opportunité de se faire mettre à mort. Alors voilà. Maintenant, le mot de réflexion pour terminer, un mot de réflexion. Le passeport vaccinal a servi de présage et d'acceptation sociale pour usage et exercice au système de contrôle total, mais se fera avec conflit et mise à mort pour des millions qui s'y opposeront face à l'incompréhension du reste de la population. Si vous allez dans Daniel 12, les versets 9 et 10, il nous est dit ceci. « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Mais ces paroles ne sont plus scellées maintenant. Tout est décelé. Nous le savons maintenant. Plusieurs seront purifiés. Plusieurs personnes ici qui connaissent Jésus comme sauveur personnel. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, je vais vous donner l'occasion de le connaître. Ce ne sera pas long. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Bon, il faut s'entendre. C'est quoi un méchant? C'est le gars qui ne vous regarde pas de l'autre côté de la rue puis qui va casser les vitres le soir chez vous? Non. Un méchant, c'est toute personne qui a refusé Jésus-Christ dans les termes bibliques. D'accord? Jésus est venu ici. Vous avez vu la passion avec Mel Gibson? Je ne sais pas s'il y a eu autant de sang que ça, mais je peux vous dire que son sang a coulé. Et son sang était le présage de la vie, parce que je vous ai dit ce qu'il y avait l'oxygène. Et puis, il nous donne la vie, puis il veut nous donner la vie éternelle. Mais si vous arrivez au ciel, puis vous ne connaissez pas Jésus-Christ, il y a une porte qui s'ouvre, c'est marqué « Access denied ». D'accord? Accès nié. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ouvrir la porte. Puis je vais vous donner le numéro de la porte. Les autres, ils vous donnent le numéro de la porte fermée, 666. Moi, je vais vous donner 777. Très bien. Alors, voici maintenant. Vas-y, Daniel, puis ils seront... Mais plusieurs... Les gens ne comprennent pas encore. C'est marqué, puis c'est pas pour moi qu'il dit, là. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Celui qui a de l'intelligence calcule. Mais ici, c'est parce qu'il est marqué, là. Les méchants ne comprendront pas. Le méchant, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Ça nous, on comprend parce que l'Esprit est en nous. L'Esprit est en nous. On achève.
Le troisième, c'est le plus important. Enfin, non, ce n'est pas le plus important, mais c'est le plus motivant à vous abstenir de ce qui vient, que je vais vous dire tout de suite après. Un troisième ange l'a suivi. Dans Apocalypse 8, 9 et 10, là, il y a deux autres anges qui viennent. J'ai pris juste celui-là, c'est assez, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, comme les purs païens, d'accord? Pour ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. » La fureur de Dieu versée sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Autrement dit, il sera condamné, simplement. Si vous acceptez. On est rendu à ce point-là. Il faut que vous sachiez. Ils sont prêts maintenant. Ils sont prêts. Il y a une nouvelle maladie qui va être lancée prochainement. Et puis, ils ont déjà préparé un nouveau, pas virus, mais une nouvelle marque. Et elle est prête. Puis, si vous ne la prenez pas, pensez-y pas, c'est fini. Et c'est pour cette raison-là que c'est tellement à la porte. Ils ont peur, là. Ils savent que des gens comme vous étudiez la Bible ou entendre des fous comme moi compter ce qui s'en vient puis ce qui est arrivé. Et puis, que ces gens-là, il faudrait les mettre à mort. C'est des fous, ces gens-là. Si vous connaissez He's the Lamb, Richard, il aurait dû être ici aujourd'hui, mais des problèmes, il a tous les problèmes. Quand il a accepté le Seigneur, sa femme l'a laissé là. Elle dit, il est fou, il prie avant de se coucher avec les enfants. Elle a appelé la police, ils l'ont arrêté. Ils ont dit, il fait du délire religieux. Ils l'ont envoyé en psychiatrie pendant 3 semaines. D'accord? Et puis en psychiatrie, à un moment donné, le psychiatre lui a demandé, « Mais où est-ce que tu penses que vous allez aller, vous autres là, qui connaissez? » Ben, il dit, « On va être enlevés. » Il dit, « Ah, bon, vous allez être enlevés. Ah, bon. Ah oui, c'est correct. Bon, » c'est marqué dans la Bible, bien sûr. Hein? Il dit, « Tu sais, moi, je lis la Bible aussi, le psychiatre. » Alors, Richard, il dit, « C'est marqué dans la Bible, mais je ne l'ai pas, ma Bible. » »« Ah, tu n'as pas ta Bible. Demain, je vais passer, je vais apporter ma Bible. Tu vas le trouver? » Ah, certainement. Alors, entre ce moment-là, puis le demain, il m'appelle et je lui donne les versets par cœur. C'est clair et net dans mon esprit. Il les marque. Et le lendemain matin, le psychiatre arrive, puis Richard est là. Je t'attends. Alors là, il lui pose quelques questions. Puis le psychiatre, « Puis, as-tu trouvé l'endroit où on va être enlevé dans la Bible? » Richard lui dit, « Oui, d'aller dans 1 Thessaloniciens 4, en versets 16 et 17. » Puis la puce est dans la main, en Apocalypse 13, versets 16 et 17 aussi. Ah ouais, ah bon. Alors le psychiatre le regarde, puis il ouvre la Bible, puis il dit, c'est-tu dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, ce Thessalonicien? Alors il lit ça, puis il voit bien, nous serons tous enlevés avec lui dans les airs. Il regarde ça, ferme la Bible. Il dit, comment vous sentez, monsieur Saint-Laurent, aujourd'hui, il dit bien. Bon, très bien. Vous allez venir à mon bureau, après midi, ils vont vous donner une lettre, là, puis vous allez pouvoir vous en aller chez vous. Le juge l'a pas laissé sortir. Le juge, un juge quelconque qui, dans notre société, là, notre société, a accepté qu'il s'en aille en prison psychiatrique pour 3 semaines. Vous savez-vous où nous sommes rendus, là? L'avez-vous, là, vous a été exposé, ce qu'on est rendu. Alors, voulez-vous, s'il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui n'est pas certain, là, vous êtes fait partie d'une religion quelconque, d'une secte quelconque, vos pensées à vous, votre propre secte, on a tous un jour notre propre secte, notre propre pensée. Si vous n'êtes pas certain, je vais faire une courte prière, d'accord? Puis si vous êtes d'accord avec moi, vous direz simplement « Amen », d'accord? Et ce « Amen-là » va vous valoir d'approuver ce que je dis. Et c'est tout ce que le Seigneur vous demande. Alors, Seigneur, je viens à toi maintenant. Je prends conscience du monde dans lequel nous sommes. Je l'ai vu pendant 3 ans, comment est-ce qu'ils veulent contrôler nos pensées. On nous a programmé cher tous les 20 minutes à la télévision, comme le faisait Hitler durant la guerre 39-45. Et maintenant, je me rends compte d'où nous en sommes. Seigneur, je viens devant toi et j'avoue, oui,
que je suis pécheur, qu'en moi, il y a toutes sortes de pensées, mais qui ne sont pas nécessairement les tiennes. Alors, je prends conscience, Seigneur, que je ne pourrais pas rentrer dans ce ciel, il faut être parfait. Mais je ne sais pas comment je vais devenir parfait. Sachez que le Seigneur ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande de croire ce qu'il vous dit. Vous êtes pécheurs et perdus. C'est dans Romains 3, 23. Tous sont pécheurs et perdus, sans exception. Ça inclut Marie. Ça inclut les saints qu'on vous a parlé. Ça inclut l'humanité entière depuis Adam jusqu'au dernier. Parce qu'il y a un moment dans la Bible qui nous a dit que quand le dernier sera rentré, Dieu sait qu'il y aura un dernier. Et nous sommes tous enlevés, nous partirons. Embarqués dans le bateau de l'imaginable, de vivre avec Dieu dans la parfaite paix de cœur. La bonté, la beauté, tout est prêt pour nous. Il a payé le coût. Ne vous occupez plus de vos péchés passés. Dites simplement, Seigneur, je te les présente, je te demande pardon. Oui, j'ai été incorrect avec les gens autour de moi, avec mon mari ou avec mes enfants, vice-versa aussi, avec ma femme ou les enfants, avec mon patron. J'en ai voulu à celui-ci ou celui-là parce qu'il ne me plaisait pas. Seigneur, je vis sur la planète Terre et je ne veux pas vivre ici longtemps encore, Seigneur. Ce n'est plus vivable. Il n'y a pas beaucoup de grand bonheur longtemps dans ce monde maintenant. Mais je sais que tu nous as préparé quelque chose. Il nous a dit, tous sont pécheurs d'exception, sans exception, ils sont perdus. J'étais perdu, Seigneur. Je te demande pardon. Je veux venir à toi. Rachète-moi, Seigneur. Le Seigneur vous répondrait, tu es racheté, ma grande. Tu es rejeté, ma fille ou mon enfant. J'ai payé le coût pour ton rachat. C'est la rédemption. Tout ce que je te demande, est-ce que tu avoues que tu es pécheur? Oui, si tu l'avoues, je te pardonne de tes péchés. Tu veux que je te pardonne? Oui, Seigneur. Je veux faire partie de ton clan. Je veux t'appartenir. Mets en moi ton Saint-Esprit afin que j'aie moi aussi une conviction profonde, afin que je puisse me rendre compte que ce monde-là n'est pas fait pour longtemps. J'ai perdu mes amis. Si j'ai 80 ans, j'ai déjà perdu la moitié de ma famille et plus. Donc tout le monde est parti. Qu'est-ce que je fais ici? Mais on s'en va quelque part de mieux qu'ici. Seigneur, viens me chercher bientôt. Moi aussi, je veux faire partie de l'enlèvement. Moi, je veux être avec toi, Seigneur, parce que ce monde ne sera pas beau prochainement. Donne-moi, Seigneur, cette paix dans mon cœur. Donne-moi, Seigneur, l'envie d'être avec toi. Mets sur mon chemin des frères, des sœurs qui vont m'aider, qui vont m'accompagner dans mes sauts, dans mes soubresauts, dans mes pensées, qui vont m'aider à me comprendre comment tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu savais que j'existerais. Avant la fondation du monde, tu avais accepté de venir mourir sur une croix à ma place. Et je ne veux pas aller dans les endroits où il fait chaud en bas, Seigneur, où on passe l'éternité. Là, c'est faux. Je ne veux pas y aller. Je te donne ma vie maintenant. Oui, mon enfant, je la prends, ta vie. Et bientôt, je viendrai te chercher. Ayez cette espérance, cet amour, cette vérité qui n'est pas la mienne, mais qui est dans votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, procurez-vous une Bible vite. Trouvez une assemblée où on prêche la parole de Dieu. On parle de la vérité. Oubliez vos problèmes et votre passé. Vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. Jésus vous tend la main. Prenez-la. Seigneur, purifie-moi. Rends-moi un cœur neuf dans le nom de Jésus. S'il y en a parmi vous qui voulez vraiment voir quelqu'un lui parler afin qu'il vous mette l'onction finale, vous n'avez qu'à venir ici. Vous allez rester ici un petit peu après. Là. Micheline va venir et va vous dire quoi faire. Alors, si vous avez fait ça, soyez bénis. C'est ce que le Seigneur vous demande pour être sauvé. Et si vous fait dans votre cœur, vraiment, c'est vous qui le savez, si vous l'avez fait, vous êtes sauvé. C'est compliqué, ça? Faut-tu faire des sacrifices? Non? Il l'a fait, le sacrifice, lui. D'accord? Comptez sur le Seigneur seulement. Le reste, Dieu vous donnera, si vous avez souffert ceci, puis Dieu vous donnera des récompenses. Moi, je suis sur Zoom tous les deux dimanches et je viens de finir des émissions sur les récompenses que nous aurons parce que Dieu est juste.
quelqu'un qui a travaillé toute une vie pour le Seigneur, puis il sait que ce n'est pas ses œuvres qui le sauvent, mais Dieu n'est pas injuste. Il va lui donner une récompense pour le travail qu'elle a fait. D'accord? Il y a 5 récompenses. Cela étant dit, c'est en est tout pour moi. Et je vous laisse avec Micheline. Est-elle là, Micheline? Alors, la voilà. Merci. Bye-bye.